Il s'était dit au Québec toute sa vie, juste pour toi. D'une curiosité, d'une érudition sans fin. Il a fallu attendre sa mort pour qu'il soit reconnu enfin. À sa juste valeur, passé plein de valeurs. Mais dans les dernières années de sa vie, on l'a traité de belle-mère. C'est grâce à lui si on n'est pas né pour un petit pain. Il nous a permis de pouvoir prendre notre destin en main. Toujours en complet, toujours sans complexe. Il était pour ainsi dire le convaincu en chef. L'assurance de l'homme qui sait où il va et qui est capable d'expliquer pourquoi. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour monsieur arrivent aisément. Toute une nation est en deuil, notre drapeau est en berne pour ce géant bâtisseur du Québec moderne. Merci monsieur Jacques Parizeau, nous avoir donné tous les outils pour viser haut. 60 ans d'implication publique, professeur, économiste, père de famille, premier ministre. Merci monsieur Jacques Parizeau, nous avoir donné tous les outils pour viser haut. 60 ans d'implication publique, professeur, économiste, père de famille, premier ministre. Doctorant au London School of Economics. Faire du Québec un pays, c'était ça son idée fixe. Monsieur est un de ces rares ambidextres. Un homme de chiffres qui a du cœur, qui considérait que l'argent est un bien mauvais maître. Mais un très bon serviteur, son sens de l'humour était toujours présent en filigrane. Pourrait croire que c'est un héritage de la Grande-Bretagne. Cœur de premier plan de la Révolution tranquille, un géant politique, la trompe de De Gaulle puis Churchill. Si on peut en être fier, il faut aussi en être digne. C'est la fin des exils, de tous les exils. Une histoire de plus pour les légendes d'un peuple. Monsieur, vous allez nous manquer plus qu'un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, tu penses? On se retrousse les manches, on se crache des mains puis on recommence. Merci, monsieur Jacques Parizeau, nous avoir donné tous les outils pour viser haut. 60 ans d'implication publique, professeur, économiste, père de famille, premier ministre. Merci, monsieur Jacques.